Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. Les trois châteaux de l'Islam. Dans cette vidéo, je vais révéler certains faits choquants à travers les rêves de Mohamed Qasim. Il n'y a aucun doute que tous ces événements se réaliseront bientôt l'un après l'autre. Mohamed Qasim a dit « Dans beaucoup de mes rêves, j'ai vu l'Islam comme trois grands bâtiments puissants qui ressemblent à des châteaux. Ces châteaux protègent l'Islam. Récemment, Allah m'a montré les trois châteaux à travers mes rêves. Selon mes rêves, le premier château est la Turquie, le second est l'Arabie Saoudite et le troisième est le Pakistan. Et dans tous mes rêves, j'ai vu deux châteaux sur trois être détruits par des non-croyants. Dans un de mes rêves en décembre 2015, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que le dernier château de l'Islam est le Pakistan. Ce qui signifie que le troisième et le dernier château à rester debout sera le Pakistan. Regardez cette image. J'ai vu deux châteaux sur trois être détruits par les mécréants sans même qu'ils aient fait face à la résistance des musulmans. Les musulmans s'attristent quand ils voient le premier château être détruit, et ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Une fois de plus, les musulmans sont fortement secoués lorsque le deuxième château se fait détruire par les mécréants, et ils professent cela comme une grande perte pour l'islam. Puis les mécréants se déplacent vers le Pakistan, le troisième et le dernier château de l'islam. Et je me vois aussi dans le troisième et le dernier château. Dans mes rêves, j'ai vu que les trois châteaux se trouvent l'un après l'autre dans une rangée, et deux d'entre eux sont pris d'assaut par les ennemis. J'étais très intimidé et je voulais avertir les gens, mais personne ne s'y est préoccupé et ils ont perdu les deux pays. Les musulmans tentaient de courir et de se cacher par peur. Je leur ai dit que même si vous vous cachez, vous serez tués. Puis je décide de me battre et de mourir tout en sauvant l'islam. Allah aide les musulmans du troisième château avec ses pouvoirs et aussi par des puissants avions de guerre de couleur noire. Et avec l'aide d'Allah, les musulmans défendent le Pakistan, le troisième et le dernier château de l'islam. Ensuite, les musulmans de l'Est répandent le vrai islam dans le monde entier. Et le monde se remplit de paix et de justice jusqu'à l'apparition du Dajjal.